porte bien. Bienvenue dans un vlog. Finalement, on commence les vlogs. Je vais même pas m'excuser parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Là, il est. Excusez-moi, j'ai mis du déodorant là, mais c'est, ça a l'air trop blanc. Après, bref, il est 5h25 et je me suis déjà un tout petit peu apprêtée. Parfois, je me maquille pour aller à la salle. Là, j'ai juste mis un peu d'anti-cerne, un peu de rouge et c'est tout. Et des lèvres, c'est tout. Hein. Rien d'autre. Comme je viens de me réveiller, j'ai pas envie de faire peur aux gens. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, je vais te montrer qu'est-ce que j'amène pour aller à la salle. Aujourd'hui, je vais entraîner mon dos et mes bras. Je sais pas si j'ai déjà dit que j'aime pas trop mes bras parce qu'ils sont genre. Enfin, j'aime pas, mais j'ai envie d'entraîner mon dos parce que la dernière fois que j'ai fait mon dos, ça date. La dernière fois que j'ai entraîné mon dos, 2019, même 2017, je sais pas, donc ça date. Et c'est pour ça que je me suis dit, par là, non, cette fois-ci, on va prendre les choses au sérieux. Ça, je vais te montrer qu'est-ce que j'amène avec moi à la salle, comment je fais tout. Je vais vraiment essayer de vous amener une fois par semaine. Ça va être difficile parce que c'est pas que je ne veux pas filmer, c'est tout juste que dans la salle, parfois tu peux pas filmer parce qu'il y a trop des gens et ils font toute une histoire. Ils disent ouais, on peut pas filmer, nanana. C'est pour ça, ça dépend où je peux y aller. Et la salle où je vais aller aujourd'hui, c'est une salle tout près de ma gare. Donc j'ai décidé d'aller là-bas parce que j'ai pas envie d'aller trop loin. Comme je pars avec le bus, tout ça. Et. Ouais, c'est ça qui énerve. Si c'était moi, j'allais filmer toujours. Mais après, ils te regardent comme s'ils n'ont jamais vu des gens. Ils sont là en mode. Moi aussi, je suis là en mode. C'est quoi ton problème? Je suis en train de me filmer. Mais bon, je vais te montrer maintenant qu'est-ce que j'amène. Toujours avec. Déjà, l'outfit que je porte, c'est toujours de chez Ocean's Apart. J'ai jamais essayé quelque chose d'autre. Bien sûr que j'ai encore des outfits de chez Shein. HM aussi, j'avais un haut. Mais la plupart de mes vêtements pour la salle vient de Ocean's Apart. J'étais en collaboration avec eux, avec Ocean's Apart Allemagne. Si Ocean's Apart France est intéressé à moi, let me know. Parce que, voilà. Donc, premièrement, la première chose que j'amène toujours avec moi, je viens de charger ça, c'est mes écouteurs. Mes écouteurs viennent de chez JBL. Je ne sais même pas c'est quelle version, mais je pense que je vais tout mettre dans la barre d'infos. Parce que la dernière fois, vous m'avez demandé, il y a le lien pour le shake. C'était tout dans la barre d'infos. Seigneur, le matin, vraiment. Mais bon, JBL, ils n'ont pas été chers. Je les ai achetés à 40 euros, je pense. Et ils font leur travail. Parfois aussi, j'ai des AirPods. Mais je ne sais pas comment vous dire. Les AirPods, quand tu fais parfois des exercices, ils tombent. Genre, ils tombent. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est mes oreilles, mais voilà. Après, histoire vêtements, moi ça dépend. Parfois, je fais du sport que avec ça, là, le haut que j'ai maintenant. Enfin, bref, avec ça, parce que je vais vous montrer le haut en tout dans la salle. Après, j'ai toujours un t-shirt normal. Parce que ça dépend, parfois j'ai pas envie de marcher comme ça, parfois il fait même froid dans la salle. Pour ça j'ai un t-shirt et parfois je m'entraîne aussi avec un pull. Mais ça c'est seulement pour aller et pour retourner parce que ouais, moi j'ai vite froid, je tombe vite malade. C'est pour ça je suis obligée de porter un pull. On continue. Mon sac vient de chez Nike. C'est ça mon sac, c'est un sac de Nike. Mais je pense même que je vais m'acheter un nouveau sac parce que mon cousin à l'époque, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais il avait fait tomber, comment on appelle ça déjà, le vernis, voilà, sur mon sac. Et depuis ce jour-là, j'arrive plus à lever le vernis qu'il avait mis sur mon sac. Donc je pense que je vais acheter un nouveau. Ce sac, je l'avais acheté à l'époque, je pense à 40 euros, c'était pas cher. Non, c'est réduit à 25 euros. Donc parfois, il faut regarder. Nike, ils aiment bien réduire pendant. À partir de novembre, décembre, ils aiment bien réduire des sacs. Donc, j'avais acheté ça. J'ai deux poches. Genre, j'ai une grande poche ici. Là, une fois, j'ai ça là. Là, tu peux mettre ton portable. Mais comme à l'époque, j'avais acheté ça ici pour mon iPhone 10. C'est pour ça que ça allait. Maintenant, j'ai l'iPhone 12. Il est trop grand. Moi, je jette juste mon portable quelque part. Mais à cause de la clé, parce que chez nous, tu as des clés pour fermer tes affaires.
Je mets toujours ma clé ici dedans. Pour ça, j'ai jusqu'à présent ce truc-là. Je mets mon iPhone là. Je ne le ferme pas. Je ne le mets pas aussi ici. Je le jette juste quelque part. C'est pour ça que c'est important d'avoir des écouteurs wireless et par Bluetooth parce que là, tu n'as pas le problème. Vas-y, il y a le fil qui est là qui va te déranger quand tu fais les exercices. Pour ça, je préfère des écouteurs Bluetooth. Et il y en a aussi des écouteurs moins chers. Je pense que je vais essayer de vous les mettre aussi. Il y a aussi des écouteurs à 20 euros et ils tiennent. Moi, à l'époque, j'avais des écouteurs de chez. Je crois que c'est de chez Primark. Primark, vous dites Primark. C'était de chez Primark et je l'avais pour longtemps. Hein. Ils sont juste cassés parce que j'avais fait tomber mon sac et après, les écouteurs se sont aussi cassés. Mais sinon, ça tient longtemps. Après, moi, j'ai des problèmes de genou. Donc, j'ai ça là, seulement un côté, mais je pense que je vais encore prendre un deuxième côté parce que mes deux genoux, ça va. Quand je fais des squats, des choses comme ça fait trop mal. Ça, je porte ça. Il y en a d'autres qui vont dire oui, mais si t'as mal, tu dois pas le faire. Tu peux le faire, mais tu dois juste faire doucement. Et quand tu vois que ça fait trop mal, ben, tu t'arrêtes. Pour ça, moi, j'ai ça là. Et moi, je fais le sport depuis longtemps. C'est pas que j'ai commencé maintenant, je fais le sport depuis longtemps. Et je sais comment faire les choses. Voilà. Après, j'ai ça là. Je pense que j'aurai besoin de ça aujourd'hui. Je sais pas encore. Ça, je l'utilise toujours pour mettre sur la machine. Le bar là parce que tu le mets et c'est bien pour tes épaules et pour ton dos parce que parfois le truc là il est déjà assez lourd et ça fait mal quand tu fais plusieurs exercices puis plusieurs séances ça fait vraiment très très mal sur les épaules ta serviette voilà tu mets ta serviette au-dessus parce que parfois aussi tu transpires tout ça moi je mets toujours même si c'est à moi je mets toujours ma serviette dessus et après ouais mais de toute façon je vais vous montrer comment j'utilise tous les trucs. Ne vous inquiétez pas parce que cette fois-ci j'ai trop parlé, hein. J'ai trop parlé pendant cette année, mais je vous dis cette année j'étais en mode enjoyment, j'avais plein de trucs à faire pendant l'été, je voulais juste vivre dans le moment, je voulais même pas être sur les réseaux, mais là l'hiver on va rien faire donc voilà. Après j'ai ça, c'est juste une serviette, genre une serviette pour la salle, voilà, rien de spécial. Bien sûr que je peux utiliser aussi une serviette normale, mais, ah, mais les petits, hein, pas les grands là. Mais moi j'aime bien ça, je sais pas, c'est léger, ça fait son truc, ah, pour moi ça va, ça va, ça va. J'ai ça, oups, mais ça c'est des resistance bands, j'en ai trois, je crois que ça c'est léger, attendez, non ça c'est medium, il y en a d'autres en léger et en, ouais ça c'est léger. Mais ça n'a même pas l'air vraiment si léger que ça, mais bon, d'accord. Et je les utilise toujours quand j'entraîne mes jambes et mes fesses. Ah ouais, voilà. Je vous montre les exercices que je fais avec. Je pense même que je vous filme un home workout pour vous montrer un peu ce que je fais. Parce qu'on m'a vraiment posé autant de questions. J'ai même pas cru qu'il y aurait plein de gens qui m'ont posé des questions. Et ce qui est drôle, je voulais me. Alors à l'époque, je faisais plus des vidéos à la salle, tout ça, parce que je partais tous les jours. Alors moi, j'étais vraiment une gym girl. Hein. Je faisais des vidéos, tout ça. Après, je me suis arrêtée. Je sais pas pourquoi, parce que là, je commençais à faire du contenu de l'université. Mais là, je me suis vite arrêtée, parce que faut pas exposer trop ses études sur les réseaux, honnêtement. C'est pour ça, je pense que je sais en parler quand j'aurai fini. Des gens parfois. Après, chaque créateur ou créatrice de contenu a ça là, un trépied, un tripod, un trépied. Honnête, je vous dis honnêtement, je pense que à la salle je vais filmer avec mon portable parce que avec ma caméra partir par-ci par-là, j'ai vraiment pas envie. Mais on verra, je vais voir. Mais j'ai toujours un trépied avec moi. Ce trépied, je l'ai acheté à 7 euros chez Chibé. Il fait ce qu'il doit faire, donc ça va. Et sinon, j'ai encore. Là, c'était plus parce qu'on va partir là. J'ai ici crème, déodorant de chez Rexona. Moi, vraiment, toute ma vie, c'est Rexona. J'aime trop. Après, j'ai encore des gants. Aujourd'hui, je me suis habillée en vert blanc. Ça veut dire que je vais porter mes gants blancs parce que j'en ai encore d'autres. J'ai ça là. Je pense que j'aurai besoin de ça. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas quand il y a des. Je sais pas comment on appelle ça, genre c'est pas beau. Je vais vous mettre ça ici parce que je connais pas le nom. Je trouve pas ça beau, c'est pour ça que je préfère porter des gants. Et vous voyez aussi, ils sont un peu sales parce que déjà le truc là-bas c'est sale.
Et je préfère porter des gants pour pas trop me salir. Et aussi que ça ne fait pas mal à long terme. Donc, ça, les gants, tu peux les acheter chez Amazon, chez Shein. Je vous dis Shein, ils ont plein de trucs, hein, et des trucs bien. Tu peux l'acheter vraiment à pas mal d'euros. Hein. Là, je pense que je les ai achetés à 12 euros, je pense. Et n'achetez pas aussi des gants plus 20 euros parce que ça sert à rien. C'est juste des gants. Voilà. Après. J'ai ma corde à sauter, corde à sauter, doucement. Corde à sauter, corde à sauter, doucement, mais fais doucement. Position 1, 2, position 1, le pouvoir faire poser tes deux épaules. Si tu ne sais pas danser, le logo bip. Ok, corde à sauter. Moi, j'aime pas le cardio, j'aime pas, j'aime vraiment pas, mais c'est obligé. Je vais même vous montrer parce que la dernière fois, la photo que vous avez vue là, j'avais vraiment un ventre. Maintenant, mon ventre est parti. Mon ventre est parti parce que là, je suis en train de faire une challenge. Mais je veux bien vous expliquer quand j'aurai vraiment réussi ce que je compte à réussir là. Encore 3 mois après, on va voir des résultats, j'espère. Mais voilà, cardio, j'aime pas, mais j'aime bien. Parfois, c'est cool de faire cardio avec une corde à sauter parce qu'il y a plusieurs variations. Mais je vais tout vous montrer. Je vais tout vous montrer. Donc, en fait, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'amène avec moi. Et bien sûr, vous avez demandé le shake avant, après. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre shake parce que moi, je ne prends plus tout le temps de shake. Parce que j'arrive à bien manger. Donc, tu n'es pas obligé de prendre toujours un shake. Hein. C'est juste si tu penses que tu n'arrives pas à manger assez de nourriture où il y a plein de protéines dedans. C'est juste ça. Mais t'es pas obligé de prendre un shake tous les jours. Ça dépend de toi. Mais au début, prends des shakes. Parce que manger, je sais que c'est difficile. Même moi, je sais ça très bien. Parce que moi, j'ai mangé n'importe quoi. Maintenant, ça va mieux. Mais voilà. Ouais, je dois sortir maintenant dans 5 minutes. Donc, je vais vite arranger mes affaires. Pour aujourd'hui, c'est ça. La prochaine fois, quand je vais entraîner mes jambes, vous allez voir que je vais encore ajouter certaines choses. Mais pour aujourd'hui, ça, c'est assez. Et voilà, on va faire le dos. On va faire le dos et les bras aujourd'hui. Et je pense que après mes examens, je vais vous amener une semaine avec moi. Une semaine avec moi à la salle pour un peu vous voyez, ou bien pour que toi, tu vois quel genre d'exercice je fais. Parce que là, je viens de maigrir un peu. Mais je voulais maigrir parce que ça commençait à déborder un peu. Voilà. Pour ça, je voulais maigrir un peu, mais là, j'ai envie de reprendre les muscles. Donc, vous allez voir tout, mon développement, tout, 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 tout. Et ça va être cool. Ça va être cool, j'ai trop hâte de vous amener avec moi. Bon, maintenant, je commence à parler trop. Ah ouais! Moi, je me maquille. Hein. Je sais pas si j'ai déjà dit. Moi, je me maquille. J'ai même pas mis beaucoup. Et moi aussi, je pense que je veux plus, pour un bon moment, je veux plus porter des perruques. J'en ai marre des perruques. Je veux faire toutes les variations des protective hairstyles parce que j'aime bien quand je pars à la salle. T'es à l'aise, t'es à l'aise. Il n'y a pas des cheveux par-ci par-là. T'as pas peur que ta laisse, elle retourne. Après, tu vois ici. Des. Rien. T'es à l'aise. J'ai pas fait des baby hairs parce que je sais que je vais. Je sais que mes baby hairs ne vont pas résister. Parce que je vais transpirer. Mais ouais. D'accord. Maintenant, on se voit à la salle. That don't mean that you can't hold it down. You say I'm always out of town, but I don't think that don't mean that we can't take it out. Yeah. Look. This is all about connect, all about the act, all about the way that you present yourself and flex. If we talk about it, man, I really can relax. If we talking about the time that we spend worrying about ourselves, talking about what if I ever had done this before. Even if they know, they still wanna see the score. For me, these things don't matter, I'm only getting better. Can't do this by myself, or we can do this shit together. This is a life we love, that we live, that we hug. When we miss, that we shove, when we need to be up. And I guess we can skip all the pain that we lived and the shame, but no way to cover it up. Some might need a break, some might need to wake up from all the bad things that this life ever created. Some of y'all be acting like they're real, but they just fake. Losing all integrity for all the shit they say. It's survival of the fittest, you get eating for you wake. But karma like an African is probably coming late. I'm only getting smarter, can't repeat the same mistakes. Conversations with G.O.D, I gotta keep up the faith. Yeah, I know this what I do. Là, je suis de retour à la maison, il est 9h quelque chose.
Du coup, bah moi j'ai aimé, j'ai vraiment aimé comme ça fait longtemps, ça fait vraiment très très longtemps que j'ai entraîné mon dos et mes bras. Genre je sens vraiment que ouais. Et chez moi, mon côté gauche, alors mon bras gauche, il est plus faible que le bras droit. Donc vous allez voir ça aussi dans les vidéos que ici j'étais en train de souffrir. Et j'étais vraiment en train de souffrir. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et ce bras ici, bien sûr que je l'utilise souvent. Les plus forts. C'est pour ça que je sais que j'ai beaucoup à faire. J'ai vraiment vraiment beaucoup à faire, mais c'est pour ça que j'ai dit que je vous emmène avec moi. Ça vous allez voir aussi. Bien sûr qu'on va pas mentir, moi je m'entraîne des années. Ça veut dire même si je m'entraîne pas pendant 2 mois, 3 mois, je sais pas quoi, quand je reprends et ça, vas-y, ça change vite mon physique. Moi, dans 1 mois, vous allez voir un grand changement chez moi. Ça va vraiment très très vite. Mais de toute façon, des choses comme ça, je vais vous expliquer en calme parce que je dois encore regarder les mots. J'ai pas envie d'expliquer les choses sans avoir les mots en français. Et ouais, hein, bah, c'est comme ça que je pense à faire mes vlogs. Promis, promis, quand j'aurai le temps, je vais vraiment vous amener une semaine. Genre, vous allez voir vraiment une semaine pendant 5 jours. Parce que moi, de base, je m'entraîne 5 jours. Je poste plus trop sur Insta comme avant. Parfois, je mets des petites stories. Mais comme je vlog maintenant, je préfère faire un vlog bien, bien. Et ouais, voilà. Pour ça, manger. Voilà, j'avais pas mangé avant de partir. Puis ça exprès, j'avais juste mangé, je sais pas comment on appelle ça. Je vais mettre le mot ici. Du coup, maintenant, je vais faire une omelette. Parce que je dois travailler, en fait. Je vais faire une omelette, du pain, boire mon thé, prendre mes vitamines. Et c'est tout, hein. En fait, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Mais vous allez voir quand je vais entraîner. Parce que mon goal plutôt, c'est j'ai envie de pas grossir, mais j'ai envie de to grow muscles. Genre j'ai envie de. C'est quoi le mot? C'est quoi le terme en français? J'ai envie de. Je sais pas. Là, je sais pas. Enfin bref. J'ai envie de construire des muscles. Voilà. Et j'ai vraiment envie de me concentrer sur ça, que ça soit mon ventre, mes jambes, surtout mes jambes et mes fesses. Parce que moi, j'ai le pressentiment, en fait, j'ai des jambes, j'ai vraiment des jambes, mais juste devant, derrière. Parce que j'aime pas trop m'entraîner derrière, mais j'ai vraiment dit maintenant, je vais le faire à fond. Et je vais vraiment me concentrer, comme là, à partir, j'avais dit, hein, à partir de novembre, j'ai que moi en tête. Il n'y a que moi, 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 il n'y a rien d'autre. Là, je veux vraiment être une égoïste. Juste me concentrer sur moi, sur mes projets, sur l'université, tout ça. Le reste, là, je m'en fous. Sauf ma famille, excusez-moi. Et certaines amies. Mais sinon, le reste, vraiment, don't care. Et mon goal, vraiment, c'est juste comme mon anniversaire que j'ai vraiment le corps que je voulais. Parce que l'année prochaine, je vais à la plage. Là, c'est sûr. Parce que cette année, j'avais plein de trucs à faire. L'année prochaine, je vais aller à la plage. Au calme. Au calme. Je veux vraiment que have the body. Ouais. Voilà. C'est ça le goal. Ben, j'espère que la vidéo elle t'a plu. J'espère vraiment que la vidéo elle t'a plu. Si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et on se voit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo de ma part. Bisous.